L'hôtel de ville revêt une importance particulière. C'est un service public qui permet l'accès aux droits, l'accès à la citoyenneté, le droit à la ville, avec ses crèches et ses écoles. C'est par cet espace que les Nantaises et les Nantais viennent enregistrer une naissance, pleurer un décès, chercher du réconfort et des solutions lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. La rénovation du hall d'accueil de l'hôtel de ville va donc bien au-delà de la question d'un simple équipement public. Nous parlons d'un lieu où chaque usagère et usager se sentira non seulement accueilli, mais véritablement écouté, respecté et pris en charge. Passer les portes de la mairie doit devenir un réflexe, un acte naturel. Pour cela, nous devons créer un environnement chaleureux et accueillant. Cela passe par la remise en accessibilité qui permettra d'offrir à toutes et tous en situation de handicap ou non, les services de la mairie. Cela passe aussi par une attention particulière pour porter à tous les handicaps avec une formation des agents adéquate. Ce projet vise également à améliorer l'efficacité de nos services municipaux. Les guichets de traitement express, les espaces numériques et la signalétique repensée faciliteront les démarches administratives. Cependant, nous tenons à ce que ces nouvelles façons de traiter les dossiers ne viennent pas réduire le nombre de nos agents. Les relations humaines ne doivent pas être écartées. En étudiant l'isolation, le système de chauffage et la ventilation, nous nous assurons que ce bâtiment respecte les normes les plus strictes en matière de performance énergétique, en adéquation avec notre engagement envers la durabilité écologique. Pendant la durée des travaux, il nous apparaît également nécessaire de se préoccuper du bien-être des agents et des administrés dans les locaux provisoires qui seront mis à leur disposition. Enfin, nous tenons à rappeler que le centre-ville n'est pas seul considéré par la modernisation. La ville s'occupe aussi d'améliorer les pôles de services et mairies annexes dans les quartiers. La réhabilitation et mise en accessibilité des mairies annexes de Doulon, du Clotereau, des pôles de Dervalière et bientôt de Bottières en sont l'illustration. Je vous remercie.